va parler de ton organisation, Ubiteam. Donc on a vu tout l'été, c'était un peu chaud pour tous les managers d'essayer de trouver une organisation fiable pour les représenter dans ce circuit e-foot. Donc est-ce que tu peux nous raconter rapidement comment s'est passé toi de ton côté pour trouver Ubiteam et leur faire confiance et eux te faire confiance pour ce projet sur une année au minimum? Alors nous, moi j'ai eu beaucoup de chance, je pense. Ça s'est fait très très rapidement. Ubiteam, ils se sont vite intéressés au projet EFA et tout ce qui accompagne sur le club pro. Du coup, oui, très rapidement, on s'est super bien entendu et voilà, il y a de belles ambitions. D'accord. Et actuellement, là, vous êtes donc en période de préparation, donc avec ta line-up qui s'appelle Ground Control. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce nom? Bah, le nom. Participer à l'eSport Football Challenge. Donc, est-ce que tu peux nous dire de ton côté comment tu as été nommé manager des Frères d'Armes, l'organisation, depuis quand et comment ça s'est passé votre accord avec les Frères d'Armes eSport? D'accord, bah, écoute, on a rejoint, il me semble, les Frères d'Armes le 20 février 2019, donc début d'année, c'est tout récent. On les a connus sur à travers un Discord communautaire qui regroupait plusieurs structures. Donc, je les ai démarchés de moi-même pour une section Club Pro FIFA. Donc, ça s'est fait comme dans une structure normale avec les objectifs, tout ça. À savoir que la structure, elle regroupe des équipes sur Apex, sur Call of Duty et sur Fortnite, il me semble. Comment ça s'est passé cette collaboration? Ben écoute, j'ai recherché activement une structure e-sport toutes les plateformes, que ce soit sur Twitter ou autre chose. Et c'est eux-mêmes qui m'ont contacté à la base. Je leur ai donné plusieurs replays de nos sessions, de nos streams. Ils nous ont regardé en live. On a C'était quoi notre projet? Qu'est-ce qu'on Directive. Depuis qu'on est avec eux, ça se passe très bien. Est-ce que tu peux maintenant nous dire peut-être le top 5 de l'eSport Football Challenge? Donc au mois de mai, le classement. À Dans la le fin, un désordre, dans le désordre. classement comme ça de tête. Dans le désordre, les 5 aléatoires, pas forcément le premier que tu vas citer qui sera Ouais, bah champion. écoute, je pense que je vais mettre la peste. Et salut Ben, on se retrouve aujourd'hui eh ben, pour la première interview de pré-saison. On va essayer de passer les 32 clubs. Ben, tout d'abord, félicitations à toi parce que ben, tu es maintenant à Polos et vous avez rejoint la structure Project Conquerors. Donc on l'a vu durant l'été, c'était un peu chaud pour tous les managers. Tout le monde cherchait un petit peu ben, une organisation à représenter pour le circuit. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour toi ce passage? Bah alors on a commencé tout simplement, bah ça a commencé vraiment dans la dernière ligne droite. On avait à peu près une semaine pour trouver une structure, sinon on avait bien compris qu'on ne sera pas pris en UEFA. On a contacté Joe et moi. Exactement ça. Donc nous, on est un club, on s'est vachement connu et construit. Vers quelque chose de plus intéressant pour les joueurs, mais pour le club aussi. Et du coup, on s'est intéressé avec UEFA, et c'est à partir de ce moment-là où on a vu l'importance d'une structure, notamment pour intégrer UEFA et tout. Et du coup, c'est moi qui me suis occupé avec Drick de démarcher les structures et on a entamé plusieurs discussions avec diverses structures. Et salut à toi, aîné. Salut Misa. Bienvenue pour l'échauffement. C'est la tournée des 32 franchises pour l'eSport Football Challenge. Donc, toi, tu es avec la team Red Bloods comme organisation. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé votre accord? Ça s'est bien passé avec notre accord Petit Red Blood. On est tombé sur des points satisfaisants et on a tous les deux la même façon de gérer. Donc. C'est très bien. Ok. Et vous avez participé donc à l'eSport Football Challenge.
Il y aura le tirage au sort demain à 18h avec You sur eSport FA, sur le Twitch. On reviendra à ça en fin d'interview. Mais au niveau du circuit, donc il y aura 32 équipes au niveau du départ. À la fin, il y aura un classement. Est-ce que toi, tu peux nous dire la position qui te satisferait, donc le top combien sur ces 32, tu serais satisfait? Je serais satisfait par top 5. Top 5. Je serais très satisfait. Équipe que tu aimerais éviter dans les conférences, que tu souhaiterais peut-être retrouver dans les playoffs? Non. Enfin, en fait, il n'y a aucune équipe que, franchement, il n'y a aucune équipe qui me fait peur. Surtout si le FIFA 20 se confirme comme il doit être. On peut ramener n'importe quelle équipe, ce sera pareil. Personne. D'accord. Est-ce que tu peux maintenant peut-être un petit défi, me citer le top 5 eSport Football Challenge dans le désordre? La top 5, donc on parle de la dernière des dernières. Hein. C'est ça, à la fin, 5, le classement qu'on va afficher. C'est le classement qui va être affiché à la fin, au mois de mai, qui regroupera les 32 franchises. Top 5, dans le désordre, ouais, bah, dans le désordre et dans l'ordre. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue en ce dimanche 8 septembre 2019, bienvenue sur EFA, bienvenue sur la chaîne du Club Pro et la chaîne qui va vous donner ce soir pas mal d'informations sur les compétitions qui devraient démarrer début du mois d'octobre et je sais que vous êtes tous impatients de pouvoir en découdre sur le prévert. J'ai ce soir avec moi, alors je sais que vous êtes un petit peu déçus de ne pas voir Tatane, parce qu'il commence à y avoir un fan club, Tatane, mais Tatane est là, Tatane est de chez lui cette fois-ci, il sera là toute la soirée avec nous pour nous donner des petits coups de main, nous donner des petites infos aussi, c'est le responsable de la Web TV EFA, donc c'est quand même un gros bonnet, coucou Tatane. Ouais, on est là pour une heure. Merci de rectifier quand je fais des boulettes et j'ai pas effectivement dit pour combien de temps on serait là. Normalement c'est une heure, mais ceux qui me connaissent savent que j'ai du mal à rentrer dans les délais. Donc on va essayer de raccourcir ça et de faire une heure. On a d'autres invités, des invités qui vont nous permettre de dépasser cette heure assez souvent parce que on aime bien discuter avec eux. Bah, bien évidemment le grand Manitou, l'émir Zibeltra, notre ami Misa. Comment vas-tu, mon bon Misa? Et le dernier invité, last but not least, c'est l'un des tout meilleurs joueurs du championnat, c'est l'un des tout meilleurs managers du club pro en France. De quoi? Ah, on ne vous entend pas. Aïe, quelle terrible erreur. Je voulais pas trop qu'on vous entende pendant l'avant, qu'on vous entende pendant l'avant live. Normalement, ça devrait être bon. Désolé, les amis. Est-ce qu'on vous entend, Tatane? Est-ce que tu es là? Ouais, salut tout le monde et merci You pour cette présentation, c'est cool. Ok, donc Tatane, normalement c'est bon. Misa, l'émir Zibeltra qui déjà commençait à délivrer les cadeaux, heureusement qu'on l'a coupé. Et salut tout le monde, plus d'une centaine ce soir, vous serez pas déçus, merci de votre soutien, salut à toi You. Et donc je disais, le dernier, on m'a coupé dans ma présentation de cet invité prestigieux. Il est dans le domaine du e-foot depuis, j'étais même pas né je crois, quand il a commencé à jouer sur ses petites manettes à PES, sur la PES League, et puis il a fait la transition sur FIFA comme beaucoup. Il a réussi à faire de sa vie un petit conte de fées parce que il peut se balader un petit peu partout sur les gros événements d'Electronic Arts. Et bien, c'est notre bon peste maltais. Comment vas-tu, mon maltais? Salut You, très bien. Merci pour la présentation aussi. Salut Misa, salut à tous. Chaud pour cette heure qui va certainement dépasser, évidemment, parce que moi aussi, comme vous le savez, j'adore aller sur les poteaux avec Misa. Alors,
J'ai le chat. Coucou à Moray, coucou à Raycon, coucou à Saken, coucou à Authentic Zephyr, Skywars, Nalka, Stormy, Iguane, Jesse Jackson, bien évidemment, Pez, Tony, Zenva, SC Toulon est là, CPTV, coucou les amis, Hydrose, on a Crespo aussi qui est là, n'hésitez pas à faire un petit coucou à nous dire dans le chat ce qui va pas. Bah, déjà, c'était pas mal avec le son. Donc, on va dérouler tranquillement l'émission et elle est très chargée aujourd'hui parce que on va commencer par l'actu EFA, bien évidemment. On va poursuivre par l'actu Mercato parce qu'il se passe des choses pendant l'été. Ensuite, le jeu des clauses, vous l'aimez, vous l'attendiez, bah il est là avec Moray notamment avec son petit crayon. Moray, je sais pas comment il fait, il a des équations et des lignes de calcul un petit peu partout. C'est un mutant et c'est pour l'instant lui qui mène le jeu des clauses. C'est un petit jeu où on peut gagner. Alors il me semble que c'est une licence à la fin des 5 premières émissions. Donc là, je crois qu'on en est à la moitié, à la troisième. Donc là, le jeu des clauses et à la fin. C'est l'avant-dernière, merci Misa, elle est très très fort pour teaser. Et le dernier chapitre, celui que beaucoup attendent aujourd'hui, c'est le tirage au sort avec un petit système aux petits oignons, le tirage au sort des conférences Émeraude et Saphir. Vous allez avoir, bah déjà pour commencer, une vidéo. Alors c'est la seule vidéo que je n'avais pas rentrée dans mon petit OBS. Donc je ne suis pas sûr qu'elle va partir. A priori. Sinon, c'est pas drôle en même temps. Hein, c'est pas marrant. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va la faire un petit peu à l'ancienne. Je vais vous. Également quand même à la fin tirage au sort du jeu Twitter aussi qui vous pouvez aller RT sur le compte eSport FA. Ah oui, le tirage au sort, il faudra que j'aille le faire aussi en direct, donc ça va prendre une bonne heure, oui. Vous le saurez en fin d'émission. Visiblement, on nous entend pas très fort, mais bon, vas-y, fais ce que t'as fait. On vous entend pas très fort, je vais vous augmenter le son. Du coup, ben, on va voir la vidéo là, c'est ça, You, ça va être. Ouais, alors attends. Misa, ce qu'on va faire. Bon, avant de la teaser celle-là, parce que pour l'instant elle est un petit peu bloquée sur mon PC, je vais te la retrouver, mais je pense qu'il commence à y avoir un petit peu trop de choses dans mon OBS. Misa, on va parler elle un petit. Encore en cours d'analyse. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la vidéo qu'on va regarder est importante et pourquoi en gros il faudra bien regarder ce qu'il y a écrit dessus parce que normalement ça devrait nous aider à faire quelque chose. C'est bien ça? Voilà, voilà, exactement, les gars. Du coup, on part aujourd'hui pour un tirage au sort de 32 organisations e-foot. L'année dernière, vous y étiez à peu près 24-25 organisations à avoir participé aux différentes saisons proposées par EFA. Vous êtes 18 survivants, c'est déjà énorme, hein, plus des deux tiers, voire des trois quarts. Donc, merci à tous pour votre confiance, les 18 organisations qu'on va pouvoir retrouver à travers cette vidéo qui va afficher tout ça. Sur les trois saisons, à travers le nombre de points accumulés lors de la saison 1, la saison 2 et la saison 3. Et c'est parti. Donc là, c'est parti. Là, c'est parti. Mais je crois qu'elle n'a pas de son, alors je vais vous la remettre avec du son. Si, il y a du son. Ah là là. Bon, allez, je vous la remets pour le plaisir. Merci Misa pour cette entrée, elle était monstrueuse.
Eh bien voilà les amis, elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse cette vidéo. Merci à Misa pour nous avoir sorti ça tout simplement. C'est du matériel de qualité pour pouvoir travailler là-dessus. Alors Misa, je ne sais pas si vous avez tous bien vu donc ce classement. Je pense que oui, un classement qui était dominé bien évidemment par la peste. Et notre ami Misa va nous expliquer pourquoi est-ce que c'est dominé par la peste. Comment est-ce que vous avez fait ce classement avec UEFA? Alors, pour le classement de FA19, donc on a été assez basique, puisqu'on aime bien partir d'un point de départ pour ensuite le faire évoluer. Vous allez très vite le comprendre. Donc, nous avons pris le nombre de points accumulés par une équipe lors de la saison 1, puis lors de la saison 2, et enfin lors de la saison 3. La peste a triomphé lors des trois saisons et a remporté les trois titres et a accumulé 151 points et ils sont donc dans la team Saphir. Donc, tous les joueurs de la peste porteront le drapeau de la team Saphir pour essayer de l'amener au plus haut de l'EFC vers la fin. Ensuite, on a vu qu'il y avait Alliance qui était deuxième, donc qui a été régulier tout au long de l'année avec 124 points. Et donc, ils seront dans la conf Émeraude, puisqu'on va faire un va-et-vient entre la conf Émeraude et Saphir par rapport au classement. Voilà, You. Est-ce que tu veux détailler un petit peu les équipes ou... On va le faire tranquillement. Je suis en train de récupérer exactement les. Alors, on va vous le faire. Vos impressions sur le classement en attendant. Hop. Je vais mettre tout ça. Misa, on t'entendrait pas très fort. Ouais. À l'image pour toi. Je vais augmenter le son, les gars. C'est rare de ne pas entendre Misa, d'habitude. C'est ce que j'allais dire. Allez, les amis, hop là. Voilà. Donc, on va commencer par peut-être plutôt l'émeraude. On va commencer par l'émeraude, on va dire, avec la peste. Avec la bonne peste. Donc voilà, l'émeraude qui vous est affichée. J'ai eu un petit bug, mais bon. Tu as un petit bug. On inversera, du coup. Ben, l'émeraude, ça sera le lundi, mercredi, les amis. Et Saphir, ça sera le mardi, jeudi. Voilà, les aléas du tirage l'ont fait. C'est un peu ça, non, You? Alors attends, parce que moi, j'ai sur émeraude, j'ai donc la peste, j'ai Oz. La peste doit ouvrir la compétition, puisqu'elle a été championne. Du coup, ben, la conf émeraude... passe lundi. La conférence émeraude joue le lundi, mais je pense pas que ça dérange trop l'émeraude. Hein, le lundi et le mercredi. Donc en gros, alors attends, j'essaie de voir en un petit peu plus gros ici, moi, sur mon écran. Donc on a la peste dans le... On va déjà définir les 9 premières équipes de la conférence émeraude. Donc la peste... Oz, il y a des logos que je ne distingue. Mathia Mila, je peux te le faire. Si vas-y, vas-y, vas-y. Alors, on a la peste avec 151 points qui finit premier, donc suivi de Mafia Mila qui a fini, de NSN qui a fini troisième, donc avec 87 points. Ensuite, on a la Orcs. Alors, attendez, parce que là. Il y a une petite erreur. Au niveau de l'affichage, du coup, des éditeurs graphiques, c'est pas la bonne. Les équipes ont l'air d'être mélangées, puisque moi, par rapport au classement, j'aurais Mafia Mila qui serait pas dans la conf de la peste. Mafia Mila, ils étaient combien? Ils étaient quatrième. Si, parce que je pense que ce qui a été retenu, Misa, c'est le comment dire, là, pour fabriquer les poules plutôt que de faire un dans une poule, deux dans l'autre, trois dans la même poule, quatre dans l'autre, etc., etc. Ce qui fait qu'il y a une poule qui sera forcément plus forte que l'autre parce qu'elle aura 1, 3, 5, 7, etc. et que l'autre aura 2, 4, 6. Ils ont fait en serpent. C'est-à-dire que tu fais 1 dans une poule, tu fais 2 et 3 dans l'autre, tu fais 4 et 5 dans la même poule, tu fais 6 et 7 dans l'autre, etc., etc. Comme ça, il y a le poids est le même et l'équité est la même. Donc je pense que c'est ça. On va partir sur ce tirage-là. Ouais, moi je pense que c'est bon. C'est ça. On est bon alors, du coup. Oui, ça se suit. Ça se suit quand on regarde le... Mafia Mila, la Orcs, les Limitless, OZ Most Wanted, WS Bestou, Invictus BE Sport, Red Start SC et Neox Pandor. Ok, et donc la Saphir,
Et la saphir, eh ben, il faudrait que je la visualise. Alors la saphir, ça y est, je te l'ai mise. Donc avec Alliance qui est là, NSN logiquement. C'est ça. Et MGFC eSport. Après on a Never Back Down, LDAS eSport, Wartox qui a fait une forte impression sur UEFA 19. Le nouveau groupe donc de JC Jackson et de toi-même You, FC Nantes eSport, Vatos et Authentic Zephyr, ZPR. Ouais, je vais essayer de vous augmenter encore le son. Donnez-nous vos impressions dans le chat par rapport aux deux confs, sachant qu'on va faire le tirage par la suite des nouveaux arrivants. Ouais, alors dans les nouvelles équipes arrivantes, pour ceux qui ne seraient pas au courant, on va citer Imateurs, on va citer Samcro, on va citer le FC Nix, FRS Soccer, Toulon eSport, la sélection nationale monégasque, Devils Football, Red Bloods FC, Ubiteam, Scrim, FDA, Excellium, XCIV eSport, et Project Conqueros pardon, et Thunder Hawk. Voilà pour les équipes qui vont être dans le tirage au sort à la fin de l'émission. Il est déjà 15 et on n'a toujours pas attaqué le deuxième point de l'EFA, des actus EFA. L'actu EFA, on va aller très très vite. C'est dans les jours qui vont suivre, le 13 septembre, ouvre la draft de l'EFA. Alors c'est pour les joueurs qui ont zéro match sur EFA. En général, des joueurs qui sont soit pas du tout dans la communauté, soit qui ne jouaient pas dans un club UEFA, les joueurs qui aiment le mode carrière, qui aiment Football Manager, enfin en tout cas qui ont envie de se taper une petite carrière e-foot. Donc la draft UEFA, on a des petits sonores pour cette draft UEFA, je vais vous les mettre tout de suite. On va partir sur un micro-trottoir, parce que peut-être que certains n'ont pas trop compris. On va écouter les micro-trottoirs et derrière je donnerai des explications supplémentaires s'il le faut. Salut Claudie, excuse-moi de te déranger, je peux t'interviewer vite fait pour un petit micro-trottoir pour deux petites questions. Salut, oui, bah écoute, oui, vas-y. Alors, première question, je ne sais pas si tu as suivi un petit peu d'actualité ou quoi, mais que penses-tu du concept de draft ? Alors, si j'ai suivi donc, cette histoire de draft sur les réseaux sociaux, honnêtement, je trouve que ça amène pas mal de fraîcheur, c'est un concept nouveau. En tout cas pour FIFA et même pour le football. Ceux qui regardent le basket savent que voilà, en NBA ça existe déjà. Moi je trouve que c'est vraiment un bon concept. Ça peut permettre à des gens qui font pas forcément de compétition justement de découvrir le monde de la compétition et de jouer avec de bonnes équipes. Salut Geronimo, excuse-moi de te déranger. Est-ce que tu es disponible pour un petit micro-trottoir vite fait ou pas? Oui, je suis disponible. Alors, j'aurais deux questions à te poser, ça te va ? Oui, vas-y. Alors, la première, c'est, je ne sais pas si tu as pu entendre ou voir des informations ou quoi, il y a un concept de draft qui est sorti. Qu'est-ce que tu en penses ? Que penses-tu du concept de draft ? Bah, je pense que c'est un très bon concept parce que ça permet aux joueurs qui ne sont pas vraiment connus dans le milieu et qui n'ont pas de contact de trouver un club qui peut aussi en construction qui cherche des joueurs, c'est une très bonne chose parce que d'un sens, les joueurs qui n'ont aucune réponse d'équipe qui veulent le recruter, bah, ils peuvent l'avoir grâce à ça. Et les équipes qui cherchent, eux, un joueur, bah, ils peuvent le recruter via cette draft UEFA. Du coup, on est avec Jesse ici de Nantes eSport. Est-ce que tu peux dire rapidement qu'est-ce que tu penses du concept de draft? Le concept de la draft, non, c'est un kiff total. Franchement, on va pas se mentir. Je suis bien mal placé parce que c'est des choses qu'on voulait faire depuis des années. Enfin, on est là-dedans depuis un moment avec Julien, mais maintenant, nous, la draft, on est parti pris pour être dedans. Pour Julien, Yestud. Ouais, Julien, Yestud. Prendre minimum un joueur. Si d'autres n'en veulent pas, on est prêt à prendre plusieurs joueurs même, à essayer de les faire jouer, à voir un peu. Ouais, nous on est 100% dedans. C'est une idée au top. De toute façon, ça a vocation à être le seul avec le moyen d'entrée le plus rapide pour un joueur tout seul. Parce que avec 32 équipes fermées, tu peux pas arriver avec ton équipe, etc., etc. Il y aura plein de joueurs. C'est génial. Donc salut Ben. Donc ça sera pour un micro trottoir. T'as 2 minutes ou pas?
Ouais, vas-y, je t'en prie. Alors, j'ai deux questions à te poser. Alors, la première, ça sera que pensez-vous du concept de draft ? Alors, la draft. La draft, en fait, comme on l'explique, ça pourrait choquer des gens parce que voilà, on s'inscrit, on n'a pas de club, on se montre un peu, on essaie de convaincre les GM, un petit peu comme des bêtes. Mais quand on connaît un peu la NBA, c'est exactement le même principe. Et je trouve ça vraiment génial. C'est un bon concept. Ouais, vraiment, c'est sympa. On a chacun un tour de draft, on peut décider de le vendre, on peut l'utiliser, choisir le bon joueur. Ouais, c'est vraiment sympa. Je trouve ça vraiment sympa, une bonne nouveauté. Hey. Ouais, bah c'était un super micro-trottoir, merci à Leroy. Alors pour la petite info, hein, il se met quand même carrément sur un vrai trottoir, hein, virtuel. Il essaye de choper les mecs soit sur GTA, soit sur d'autres types de jeux. Et quand il arrive à les arrêter, bah voilà, il ouvre son micro et il nous fait ces petits micro-trottoirs. Il y en aura un autre tout à l'heure quand on discutera un petit peu plus longuement avec Maltais. Mais donc voilà, la draft, c'est ouvert à tous les joueurs qui sont libres et qui n'ont jamais fait de match sur EFA. Les inscriptions se passent via un formulaire qui vous allez trouver tranquillement. Si vous avez les possibilités de poser les questions sur le Discord, si vous y êtes déjà, n'hésitez pas. Mais c'est un formulaire à remplir. Tous les GM des 32 équipes auront donc effectivement un tour de draft qui leur sera un ordre de draft qui leur sera donné et ils pourront donc choisir. Et déjà, ils vont probablement essayer de vous contacter avant pour faire connaissance, savoir un petit peu quelles sont vos recherches et votre niveau. Et on va essayer aussi de vous mettre en place une petite ONC pour les joueurs qui sont draftables, de manière à ce que les clubs qui n'ont pas forcément la possibilité de vous mettre en test pendant la période avant le championnat et avant la draft puissent quand même avoir un petit avis sur vous et puissent vous choisir. Voilà, c'est gratuit pour les joueurs draftés, c'est gratuit pour les clubs, donc c'est une opération gagnante-gagnante. Et effectivement, comme le disait Ben tout à l'heure sur le micro-trottoir, les clubs auront la possibilité soit de choisir un joueur, soit de revendre leur tour. Donc il y a quand même pas mal de possibilités pour le coaching. Voilà pour le dossier draft. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le Twitter. On vous répondra avec grand plaisir. Mais maintenant, on va passer à un troisième point. C'est l'Iron Club Pro Championship. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on voulait avoir Maltais avec nous. Maltais, explique-nous le concept de l'Iron Club Pro Championship, s'il te plaît. Maltais, excuse-moi, il va falloir juste que tu recommences. Il y avait le son qui était coupé chez toi. Excuse-moi, c'est ma faute. Voilà, donc tu trop me de boutons. Le micro, tu me le remets pas. Voilà, très bien, merci You. Ouais. Alors, j'avais pas dit grand-chose d'important, juste qu'effectivement, il y avait donc 24 équipes qui allaient entrer en lice donc pour cette Iron Club Cup. Sur ces 24 équipes, deux poules de 12. Et donc, première journée de qualification avec donc les 11 équipes qui s'affrontent en aller-retour. Donc, ça veut dire quand même 22 matchs la première journée. Là, ça peut paraître un peu plus conséquent déjà. Entre 13h et 22 à 23h pour la première journée. Et de ces deux poules de 12 vont donc sortir, si je ne me trompe pas, Tatane, hein, on est bien d'accord, les 4 premiers de chaque poule plus match de barrage entre les 5e et 6e. Exactement, Maltais. Donc, match de barrage entre 5e et 6e pour nous faire de nouveau le lendemain sur un format qui va être un petit peu similaire à la veille, mais en version poule unique, une poule de 10 dans laquelle on s'affrontera également en aller-retour pour après finir par demi et finale pour les plus résistants qui seront au bout de l'Iron Club Cup à 22-23h le dimanche soir et qui auront peut-être mérité de gagner la récompense promise au vainqueur qui est normalement de 20 000 FAP. Waouh. Ça fait rêver ça. C'est donc en pré-saison, Maltais. Oui, ce sera le dernier week-end de septembre. On ne va pas tarder à ouvrir les inscriptions avec Misa et Tatane. La seule condition à savoir et à connaître par rapport à cette Iron Club Cup, c'est que tout le monde sera gagnant. Mais en revanche, on peut aussi être perdant. Je m'explique. quoi qu'il arrive, même si on fait pouliste dans cette compétition, on aura automatiquement 5 000 FAP de bénéfices et d'offerts par Misa. En revanche,
vous avez aussi une caution à fournir qui est de 5000 FAP. Donc, c'est-à-dire que si l'équipe ne va pas au bout de la compétition et pour X ou Y raison abandonne en phase de poule parce que, par exemple, elle perd trop de matchs et qu'elle sait qu'elle ne se qualifiera pas, eh bien, automatiquement, on déduira 5000 FAP du budget de l'équipe qui aura abandonné avant le terme de la compétition. Donc, ce serait la première compète de FIFA 20 au final. Ce sera la première compète de FIFA 20, le premier week-end qui suit la sortie du jeu. Donc, ouais, il sort le 27, et voilà. C'est le 28 et 29. Et donc, ça vaut le coup pour plusieurs raisons. Déjà, d'une part, pour aussi apprendre un peu à jouer ensemble avec ce nouvel opus. Également, pour gagner des FAP. Tester les joueurs, aussi, parce que c'est effectif libre, c'est ça ? C'est effectif libre, donc on peut effectivement tester des joueurs, tout à fait, You. Et le dernier point également à prendre en compte par rapport à ça, c'est que de toute façon, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut vous permettre de recruter parce que je vois beaucoup de gens qui parlent des FAP, qui n'ont pas assez des FAP pour recruter, pour payer, etc. Mais ça, c'est un très bon moyen sur un jeu qui viendra juste de sortir. Donc peut-être que avec des pros aussi qui ne seront pas montés au max. Donc, ouais, ça peut être marrant de voir encore des gros culs et des poignées d'amour, c'est ce que tu veux dire, des mecs qui ne sont pas encore bien affûtés, quoi. Exactement. Ok, il y aura aussi la possibilité de prendre, de rajouter dans vos effectifs tous les draftés, tous les draftables en tout cas qui sont inscrits. Donc ça va vous faire aussi une manne de joueurs supplémentaires que vous allez pouvoir incorporer dans vos effectifs le temps de cette cup. C'est un super concept en tout cas, bien placé en termes de timing aussi parce que ça nous permet de chauffer et de pouvoir rentrer dans une petite compète en mode quand même bon enfant, c'est-à-dire qu'une défaite ne remet pas tout en cause, quoi. C'est ça. Et évidemment, les FAP à gagner. Et puis, c'est une période où, normalement, on est en train de poncer le jeu. Donc, voilà. Oui, tout le monde est très motivé. Et j'ajouterai aussi un autre point qu'on n'a pas précisé là. C'est que la compétition sera entièrement streamée du début à la fin et commentée. Et ça, c'est ça le vrai Iron, hein, c'est ça. Ça, le vrai en direct de Mulhouse, ouais. On sera là en direct de Mulhouse pour en mettre direct, le feu. En direct de Mulhouse, c'est Tatane, effectivement, dans son studio privé. Ouais, c'est ça. Donc, tu vas transformer en local le EFA pendant 48 heures. On va prévenir les voisins, bien sûr. Ça va être tendu. J'espère qu'on ne sera pas interrompu durant le week-end. Voilà, mais en fait, il y a ce concept qui effectivement est original, le côté aussi Iron, parce que ça fait quand même presque 20 heures de compétition en l'espace d'une trentaine d'heures de vie. Bon, il y a la récompense qui va au bout aussi, mais voilà, ça peut être une belle compétition et assez sympa pour lancer le nouveau FIFA. Ok. Pour répondre à la question de Yas918, il y a une restriction, oui, tu ne vas pas jouer à 2, il faudra jouer donc à 11, c'est ça, Mathieu ? Oui, absolument. La seule restriction, c'est de jouer à 11. C'est pour ça qu'on met effectif libre, en fait. Hein. Tout simplement. Voilà. Eh ben c'est pas mal du tout et on espère que ça va être une bonne après-midi et soirée de franche camaraderie entre les équipes EFA qui se seront inscrites à l'Iron Cup. On en a pas encore parlé nous de notre côté avec Nantes et Jesse, mais je pense qu'on ira faire un petit tour forcément dans cette compétition. Il y a des EFA à gagner, il y a des effectifs à faire tourner. Merci beaucoup. Jesse. Ouais. Jesse qui a parlé de l'Iron Club Cup. Mais tu es bon, parce qu'on a un micro-trottoir, je manque à tous mes devoirs. allez, petit micro-trottoir. On coupe ça. Salut Claudie, excuse-moi de te déranger, je peux t'interviewer vite fait pour un petit micro-trottoir pour deux petites questions. Salut. Non, c'est pas celle-là. Passons à la suite. Imagine-toi un championnat sur 24 heures. Un récapitulatif, c'est comme si tu fais une saison, mais t'auras pas dormi. Qu'est-ce que t'en dis là comme ça ? J'en dis que j'ai 32 balais, 2 enfants, une femme qui va me tuer. Donc inenvisageable. c'est tout. C'est, alors, non, faut être fort en logistique. Non, c'est mort. C'est... Ouais, ou alors oui, tu peux faire des paliers, genre toi tu fais des 24 heures, les mecs ils se relaient, quoi, tu vois. Ouais, pourquoi pas. Mais en fait, je vois pas trop l'intérêt. C'est marrant, ça peut être fun. Ça peut être fun. Donc, tu vois, je juge pas le truc et tout. Mais moi, ça m'intéresse pas. Merci, Jesse. T'en prie. D'accord. Merci. Et donc, du coup, pour la deuxième question, c'est que penses-tu d'un championnat se disputant sur 24 heures ? Pour moi, c'est une bonne et une mauvaise idée. Une bonne idée parce qu'en fait, ça va permettre de voir le niveau de quelqu'un sur un long moment. Sur plusieurs heures en fait, et non sur, sur 3 heures par exemple. Mais pour moi, c'est mauvais en soi parce que imaginons une personne n'a pas le temps de faire ça en fait,
et tout le monde peut avoir un imprévu ou quelque chose. Mais pour moi, c'est une mauvaise idée parce que imaginons la personne fait que 3 heures par exemple ou un imprévu à tout moment en fait, et donc ça peut pénaliser toute l'équipe en fait. Donc pour moi, c'est une bonne et une mauvaise idée. Mais alors, ouais, cette idée au début ça m'a fait un peu peur. Peut-être ça va encore faire peur parce qu'il faut trouver des joueurs disponibles, au moins avoir un 11 dispo pendant 24 heures. Mais voilà, le principe de l'entraide, tout le monde est là. Il y en a qui sont dispo pendant 2 heures, d'autres une demi-heure, d'autres 3 heures, d'autres 5 heures. Donc il y a un système d'entraide. En plus, on peut prendre des joueurs qui ne sont pas au club. Donc vraiment, ouais, super. En tout cas, dans niveau l'idée, fatigue, super. Il n'y a pas une crainte niveau fatigue. Pardon ? Niveau fatigue, il n'y a pas de crainte. Pardon, j'entends pas, ça coupe. Niveau fatigue, est-ce que tu as une crainte ? Ah, niveau fatigue. Bah, c'est un défi, en fait. C'est un défi. Après, j'ai déjà fait ce genre de compétition, mais plutôt dans l'univers Gran Turismo. Donc, j'ai déjà un peu touché. Et c'est vrai qu'au final, on est de temps en temps très fatigué. Mais on en garde un super souvenir. Après, les mecs, ils se lâchent entre eux. Ça rigole de tout et de rien. Mais tout en jouant, vraiment, il y a des bons souvenirs, des bons délires à se faire. Mais voilà, il faut, en tout cas, en théorie, c'est vraiment génial. En pratique, au niveau de l'organisation, bah, il faut trouver tout le monde, il faut avoir des joueurs dispo, il faut que tout le monde soit présent à fond, et puis que ça reste un minimum sérieux. Mais vraiment, en théorie, ça a l'air génial. Ok, merci à toi d'avoir répondu. Pas de problème. Ok. Est-ce que tu es chaud pour que toi et moi, on s'imagine un truc ? On prend un championnat et on le fait pendant 24 heures, une saison en accéléré, sans pause du coup. Qu'est-ce que tu en penses ? Ben, je pense que moi je serais partant. Je serais partant, ça permet de niveau endurance, ça pourra travailler notre endurance et ça peut être sympa. Ça peut être sympa à faire. Mais écoute, merci beaucoup Aîné, on te laisse aller acheter ton pain. À la prochaine. À la prochaine. Ok, les amis. Merci beaucoup encore pour ce super micro-trottoir. Merci à ceux qui se sont arrêtés, même en allant chercher le pain. Maltais, bah alors, la question était un petit peu aussi partie sur 24 heures d'affilée, ce qui est un petit peu différent du concept aujourd'hui annoncé par Maltais. Donc voilà, et je pense que tout le monde a à peu près compris les points positifs d'une compétition comme celle-ci. Et puis, bah, comme d'habitude, je pense que tout sera adapté pour que ça plaise un maximum de monde. Maltais, vous allez la jouer forcément, vous allez la jouer comment cette compète? Bonne question. En 4-4-2 Ah, non, je déconne, vas-y. Écoute, j'ai envie de te dire, on va la jouer avec un effectif, je pense, assez élargi, parce que tenir 10 heures de suite comme ça, 2 jours d'affilée, je suis pas convaincu que ce soit forcément, par rapport à ça, je pense pas que ce soit très facile de pouvoir tenir à 11 comme ça directement. Ben. Donc il va falloir effectivement qu'on ait de la ressource pour pouvoir un peu faire tourner les quelques éléments qui vont un petit peu fumer du cerveau. Tout simplement. Ok. Donc, plus généralement, Maltais, comment ça se précise, comment s'est déroulée cette intersaison pour les champions en titre? Ben, c'est assez calme chez nous. Comme toujours, on n'est pas très... La vie est un long fleuve tranquille. Nous, on n'est pas très très vendeur de journaux à scandale sur les transferts de l'été ou quoi que ce soit. Chez nous, c'est toujours très calme. Donc, il y a eu pour l'instant une seule arrivée officielle. Qui est Riyad 94. D'accord. Bravo à lui. Riyad, donc peut-être qu'il y aura d'autres arrivées, mais en tout cas pour le moment, on a décidé de rester sur notre ligne de conduite habituelle, très peu de mouvement et une stabilité. Donc c'est un effectif de combien de joueurs à peu près sur la saison ? 18-19 environ. D'accord. 18-19, donc on essaye de faire tourner un minimum quand même, même si c'est vrai que bon, bah, selon les échéances, ce sera peut-être plus ou moins compliqué de le faire. Mais bon, voilà, c'est quand même un effectif assez large pour du club pro, parce qu'il y a des équipes qui tournent très bien à 13 ou 14. Hein. Ça dépend des dispos aussi. Mais nous, on a pas mal de vieux, donc forcément, ouais. Qui ont besoin de souffler dans la semaine. Donc évidemment, bah, il nous faut un effectif un peu plus large. Les principaux concurrents pour la peste, à ton avis, pour le titre cette année ?
Oh, je pense que Nantes, il y a quand même un savoir-faire dans le club pro, donc je pense que vous allez vous entourer du côté de Nantes de bons éléments, et je ne suis pas inquiet pour vous là-dessus, donc vous serez une vraie équipe à battre. Sam Crowe, évidemment, puisque gros recrutement, grosse équipe sur le papier, c'est des joueurs qu'on connaît très bien, puisqu'on a joué avec en équipe de France toute la saison sur FIFA 19, donc on se connaît... relativement bien, et puis il y aura toujours les NSN, Allianz, toutes ces équipes-là aussi qui étaient déjà sur UEFA la saison passée, qui vont bien entendu avoir leur mot à dire aussi, donc ça va faire une saison avec pas mal de monde qui peut prétendre au titre, je pense. J'aime beaucoup la phrase de Nemesis SVN qui dit « concurrent de la peste, le choléra ». C'est... FAP pour ta gloire. T'es sérieux, Misa? On nous l'a fait 50. Ah merde, bah, je débute. Bravo en tout cas, bah, déjà pour tout ce que vous avez fait sur les années précédentes. On vous souhaite bonne chance, parce que quoi qu'il arrive, vous êtes un superbe représentant pour le club pro. Et on vous souhaite bonne chance pour cette saison. C'est vous qui allez ouvrir le bal cette année sur le FA TV. Alors, le calendrier ne sera pas encore disponible ce soir, mais il devrait l'être, je pense, d'ici une petite semaine, pour savoir exactement qui joue contre qui à quelle période dans le championnat. Donc ça va être déjà sympa, on va commencer à pouvoir un petit peu matérialiser. Il y aura le tirage au sort pour ceux qui nous rejoignent dans 10 petites minutes, parce que là on a déjà débordé de folie. On va passer au deuxième chapitre de l'émission, qui est, c'est simplement le deuxième chapitre au bout de 36 minutes, qui est le Mercato, les amis. Mercato qui devrait arriver, il est là. Le Mercato avec Tatane. Alors attends, parce qu'en plus j'avais un truc, c'est con, parce que j'avais une petite musique normalement qui devait passer. Mercato, Mercato, le club pro. Vas-y. Et bienvenue à Pépé Vargas, qui en valait deux. D'accord, ok. C'est donc, des blagues de Pépé Vargas. Il n'y a que Pépé Vargas qu'on peut comprendre. Ouais, c'est pas comme s'il y avait 130 personnes au final. Privé joke. Allez, donc, Salancha n'est pas là, on va tenter de... Les clauses, ça va... Ouais, pardon, t'as une rubrique à présenter, Tatane ? Là, il est en train de lui pourrir sa rubrique. Tatane, reste droit, reste stoïque. Allez, donc on passe bien sûr un petit salut amical à Salancha, spécialiste Mercato. On va tenter d'être à la hauteur. Première info, les gars, c'est tout simplement Aziz. Ça a été la révélation à LDS, le sixième meilleur buteur de saison 2. Et puis bon, il a fait un petit tour du côté des RNS eSports et au final, il a choisi de rechercher un club. Et il se pourrait, je vous le dis même, c'est signé, il va rejoindre Obsession Gaming. Oh, joli recrutement. Avec N'Golo, avec ou sans Tariq ? Parce que c'était un duo quand même, tous les deux, je crois. Eh bien, son compère Tariq, pour l'instant, n'est pas là-bas. D'accord. D'accord. Ouais, son compère Tariq. Selon mes informations, il a la recherche d'un club. Enfin. Attention, hein, c'est du lourd. Hein, c'est des mecs qui valent pas mal de buts par saison, pas mal de passes décisives aussi dans la saison. Et qui sont gratuits. Oui, ils sont gratuits. Alors là, il y a quelques. Ah non, Tariq, je crois qu'il est à Lyon-la-Duchère parce qu'il a été formé un peu là-bas. Hein, il a été révélé à Lyon-la-Duchère. Lyon-Duchère, justement, info numéro 2, les amis. On parle souvent d'eux. Gégir et Gomis sont très actifs sur le marché. Ils doivent avoir beaucoup d'argent de côté. Mais ils seraient encore sur le point de signer Dams34-7. Alors, Dams34, ça a été le GM d'Y Bédis et de Be Esports, fut un temps. Et les Rolletés, ils pourraient maintenant rejoindre le club rhodanien. Donc, je ne sais pas comment il va faire niveau transport, mais voilà, ils seraient. Ah, c'est pas très loin. Dams 34, c'est un avant-centre, hein, c'est un BU. C'est un sacré BU. Hein, attention, hein, c'est un joueur extrêmement adroit dans le périmètre de vérité, comme on l'appelle. Belle recrue pour l'équipe à Gomis et Gégir. Ok. Je note, hein, quand même. Ouais, faut noter, faut prendre les stylos, là, un stylo noir de préférence. Enchaîner avec une petite devinette pour vous, les gars. Qui est-ce qui peut se targuer d'avoir 39 matchs disputés et 15 clean sheets? Misa, toi qui es le chef des chiffres, là, non? 15 clean sheets, 39 matchs? Moi, j'en dis oui, Sam. Elle a fait plus de matchs, non? Il a fait plus de matchs, oui, Sam. Vous l'avez pas? Non, c'est Robin Hood.
Non, c'est Genzo. C'est pas un gardien, c'est pas un gardien. Ah, c'est pas un gardien, mais pourquoi je me dis un clean sheet? Ah non, mais attends, qui c'est 39 matchs. Bah, tu galères, qui nous dit Walt Disney. Donne le poste. Donne le poste. MDC, MC, je crois. Je sais pas, je croyais que je suis fort en poste, moi. Bande de fous, va. Donc, je vais vous le dire, puisque vous me saoulez. C'est Bibito, les gars. Bibito. Ah oui, Bibito, ah, bien oui. Sûr. Et oui, c'est un très, très beau ratio. Et visiblement, cette valise-là, qui contient 15 clean sheets, elle ne laisse pas indifférent Tidus et la Orcs. Donc, ce serait un retour, là, dont je vous parle. L'homme a quand même fait 3 Team of the Week en saison 1 et forcément présent dans la Team of the Season. Et donc, il serait sur le point de revenir là où il a connu ses meilleurs succès. Il serait sur le point de revenir à la Orcs. Après, bien sûr, un petit tour du côté d'Azoria Limitless. Bah, maintenant, ce serait la Orcs. Bah, il s'est fait draguer sans filtre hein, sur Twitter, Bibito, quand il a annoncé qu'il était free agent. T'as tous les recruteurs et tous les administrateurs de la Orcs qui sont arrivés avec leur tapis rouge. Viens, on vient te chercher, on te ramène à la Horde et tout ça. Donc a priori, bah, bravo. Beaucoup, parce que Bibito, je l'ai vu jouer quelques fois la saison dernière. C'est un très très beau milieu de terrain défensif, une très très belle sentinelle. Très bon milieu def. Très, très bon. Il y a la Orcs qui est dément hein, sur le Twitch, mais nous, on est sûr de nous, on est sûr de nos infos. Il aurait été aperçu apparemment pas loin du bureau de la Orcs. Hein. Wow. Ouais. Ce qu'on nous dit. Il y a Sancho qui est là. Coucou à Sancho. On dit que Bibito est en test chez Alliance. Attention. C'est chaud du côté de l'info vient de tomber. Mais les mecs, ils envoient des feux, des contre-feux partout et tout. Alors, on est encore en période de mercato, donc vous pouvez aller draguer des joueurs et essayer de les attraper. Par contre, on ne finalise pas de vente. C'est ça, Misa, pendant encore un petit moment, parce que les EFAP sont bloqués. Il n'y a plus d'EFAP en circulation. C'est ça. On a mis fin donc le 1er septembre aux licences EFA 19 et on remercie les plus de 1000 membres différents qui ont participé aux activités de l'association. Ce fut un véritable succès grâce à vous. Cette année, eh bien, on va repartir tout doucement à grappiller les échelons, un par un, 14 par 14, pour essayer d'atteindre peut-être encore 400 ou 500 membres, voire 700 membres lors de l'année. Et donc, ça va être réactivé, on va dire... Fin septembre, hein, juste après la draft, pourquoi pas, You, juste après la draft, donc la draft... C'est 30 septembre, ouais. Le lendemain, voilà, vous pouvez déjà bloquer vos joueurs par accord de principe, faire des contrats en coins, mais ne pas acheter de joueurs. Vous pouvez faire des contrats juste pour bloquer vos joueurs dans les effectifs, pour avoir un visuel sur ce que vous voulez faire, mais pour acheter des joueurs, le mercato, il va s'ouvrir le 30 jusqu'au 5 octobre. Et puis la compétition démarra le 7. Ouais, juste avant de reprendre les infos mercato, petit message pour Té et Misa, les gars, c'est un petit peu le bitarois que je suis qui va parler, mais couvrez-vous hein, en venant à Mulhouse, c'est très très rude, hein, je vous préviens d'avance, voilà. Ouais, tu sais bien de nous le dire, hein, parce que nous, pour nous, c'est une aventure aussi de venir là-bas. Ouais, c'est assez hard, hein, je vous le dis. Alors, est-ce qu'on a d'autres actus mercato, parce que là, on est dans les actus textiles. Pardon, le mercato, bien sûr. Le feuilleton de l'été, c'est qui? C'est Kazé, on est d'accord. Ah bah oui. J'ai vu un enfant ce matin là en arrivant au studio qui avait un maillot de Kazé, mais il en avait trois. Il ne savait pas trop lequel il devait mettre. Moi, je crois qu'il avait le PNG sans fond. C'est ça. Alors, attends, je suis quand même. J'ai pris des lunettes et tout. Je suis allé observer ça, les gars. Je me suis rendu au centre sportif José Arribas, là, du côté de Nantes. Et il se trouve que j'ai vu Kazé en train de déambuler comme ça. Je croyais que je ne l'avais pas vu, le bourg. Par contre, bon, seul problème, c'est qu'il avait un maillot des Girondins et un short CDC Pro. Bon. Vous nous faire une idée. Mais moi, je l'ai vu là-bas, en tout cas. Je l'ai vu là-bas. Ouais, allez. Alors, pour aller tout petit peu plus loin dans les actus mercato, il y aura le 17 septembre, dans à peu près une semaine, un mardi soir, une soirée spéciale, la première soirée spéciale du FC Nantisport. Donc c'est Jesse qui a recruté, qui a testé une centaine de joueurs pendant tout le mois d'août. Ça s'est terminé il y a pas très très longtemps là, début septembre. Il y a 33 joueurs, il y a une trentaine de joueurs qui ont été retenus, qui vont s'affronter sur une petite ONC interjoueur de Nantes. Là-dessus, il y aura aussi normalement une équipe de guests, de VIP, alors soit des joueurs de club pro, soit des joueurs de 1v1 qui viendront compléter le line-up. Et le but du jeu, c'est à l'issue de cette soirée que le FC Nantes annonce son roster de 14, 15, 16, 17 joueurs. On ne sait pas exactement. La session le dira. Donc voilà, n'hésitez pas à être dans le coin, on vous tiendra au courant. Voilà, je faisais ma petite pub. Désolé, Tatane.
Aïe, aïe, aïe. Je t'avais même pas prévenu en plus. Désolé, mon ami, bien joué pour ta pub, mais j'ai quand même quelques noms à dire sur les tout premiers joueurs du FC Nantes. Désolé, You. Ah, ben, alors, les infos que tu auras, Misa, elles n'appartiennent qu'à toi parce qu'aujourd'hui, il y a, mis à part Jesse Jackson, aucun joueur qui ne fait partie officiellement de l'effectif du FC Nantes. Voilà. Alors, il y a Kazé qui est bien parti pour aller à Nantes. Il y a Chad Moss aussi qui est en bonne destination. Il parle, mais il a un sourire, le gars. Alors, on a aussi du Tugaler, les amis, du Tugaler de Walt Disney qui serait peut-être proche du FC Nantes. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il a vu sur mon porte-clés, j'ai une petite photo de Tugaler. ça rappelle FIFA 17, meilleur défenseur du championnat, Tugaler. Et du Tom Clance, Tom Hercelance. Tom Hercelance, mais Tom Hercelance, je peux vous expliquer ce qui s'est passé pour Tom Hercelance, c'est que Tom Hercelance cherchait un club pour la reprise, pour déjà se remettre un petit peu en forme, parce qu'il commençait à avoir un petit peu de poignée d'amour. Et voilà, et simplement il avait le droit de s'entraîner avec nous. Voilà, donc la beauté en touche, on verra bien, les gars. Regardez bien les noms et regardez bien le jour. C'est quand, You, du coup, de l'inauguration, il reste encore des places parce qu'il y a 16 joueurs. J'en ai un. Ça sera le 17 septembre. Il y a, je crois, plus qu'on prenne de gens, mais ça, c'est plutôt Jesse qui s'occupe du terrain en test, il me semble. Mais voilà, il reste encore du temps d'ici au 17. Et tu peux plus y aller. Ouais, c'est Nantes, c'est mort. Ah oui, non mais moi je suis là. Non mais alors, oui. Pas mal de monde vient me voir en me disant qu'est-ce que tu fous dans le Discord du FC Nantes. Alors, justement, j'en profite. Moi, le Discord du FC Nantes, je pense qu'il y a d'autres GM qui devraient faire comme moi. J'y vais, je regarde les noms qu'il y a, je vois s'il y a des gars de chez moi ou autres qui viennent draguer un peu le FC Nantes. Mais c'est tout. Ça s'arrête là. Mais bon, après, ouais, ça va être une belle équipe au niveau des noms qui sont affichés de toute façon. Merci. Juste pour finir, Misa, t'as pas deux petites infos pour finir sur Alliance et des joueurs libres? Alors, Alliance, ils sont à la recherche d'un capitaine qui pourrait donc venir donner un coup de main dans le management à Pat et Lélé, donc pour essayer d'appuyer un peu plus au niveau des sessions de training et essayer de passer un palier. Ils ont fini deuxième là, de FA19, mais d'essayer de maintenir au moins cette deuxième place, voire mieux, parce qu'il y a la concurrence qui arrive. Maintenant, on est 32. Et voilà, il y a Bibito qui est en test chez Alliance actuellement. Il y a Chirou qui va partir au Red Blood d'Alliance. Donc. Et voilà. Voilà pour les infos du côté d'Alliance. C'est pas mal. Misa, les amis, je vais devoir vous décevoir peut-être si vous étiez là pour le jeu des clauses parce qu'il est déjà 48. On n'a toujours pas fait le tirage au sort, donc je préfère qu'on fasse d'abord le tirage au sort. Et si après, derrière, on a le temps de faire le jeu des clauses, on le fera parce que c'est chaud bouillant. Il y a pas mal de monde qui aimerait savoir à quoi va ressembler sa saison. On les reportera au pire. On les reportera, ne vous inquiétez pas. Ce n'est clairement pas perdu. Attendez, je fais un tout petit peu de place sur mon bureau parce que pendant que vous étiez en train de discuter, j'ai un petit souci avec mon PC. Je n'arrive pas à vous passer la fenêtre depuis laquelle il va y avoir le tirage au sort. Donc je voulais tenter un truc et voir si ça fonctionne. Je vais vous faire. Regardez ça comme c'est beau. Hop, la cam. Là, il nous a sorti. Vous allez voir, les amis. Là, je vous connais. Déjà son t-shirt Welcome les haters. Ouais, c'est ça. Attends, parce qu'on va avoir un truc comme ça. Les gars, à la fin, lui qui trouve le nom en premier. Non, mais regarde, Misa, regarde, on va faire un jeu comme ça en plus pour ajouter. Lui qui dit le nom, les gars, en premier dans le chat, il prend 100 FAP. T'attends, tu te avec le numéro ID, les gars. Numéro ID et le nom de l'équipe. Attends, je pose ça juste 2 secondes. Hop, je vous le fais. 18. Ça fait 1800 FAP en jeu, les gars. Le premier qui donne le nom qu'il voit sur l'écran, ça va être le jeu en même temps que le tirage. Non, mais c'est sympa. Non, mais c'est sérieux. C'est sérieux. C'est sympa. Et 1800 FAP qui tombent, les gars. Attends, vous 1800 FAP, ils sont sponsorisés par Gilbert Montagné. Hein, c'est précisé. C'est ça. Bon, est-ce que vous voyez bien au moins? Là, on voit nickel. On voit au top. Oh là là, j'avais envie de savoir. Ça tourne, là. Ça tourne ou pas? Il est où, le nom? Ouais, ça tourne, là. Il apparaît. Attention. Ah,
C'est Sam Crow, les amis. En émeraude, en émeraude. Allez, alors Sam Crow en émeraude, Sam Crow en émeraude, ça va aller rejoindre, ça va aller rejoindre qui cette histoire, ça va aller rejoindre la peste, oui. Ça c'est Saphir et ça c'est émeraude. Ça va aller rejoindre Bestou, la peste, Mafia Mila, Oz Most Wanted. Ça va aller rejoindre, voilà, des équipes qui sont, ma foi, plutôt fortes. On va passer tout de suite au deuxième tirage, parce que sinon après on ne s'en sortira plus. Tac, sur lequel on va y enlever. Je vais vous montrer quand même que ce n'est pas. Voilà. On annule le jeu parce que ça va être compliqué là, ça donne pas. Ouais, ça va être difficile. C'est pas grave, regardez, je vais enlever Sam Crow du tirage. Voilà. Et la prochaine équipe va en saphir, donc pour jouer. Et la prochaine équipe va en saphir, exactement. Mardi, jeudi, la saphir et l'émeraude le lundi, mercredi. On a inversé vu que la peste est tombée dans le tirage en émeraude et doit ouvrir la compétition étant tenant du titre. Et c'est parti. Alors c'est marron, je sais plus quelle équipe était marron, c'est Red Bloods. Attends, tu notes là, ouais, c'est noté. Il y a le live, tu vas me dire. Donc on a Sam Crow en émeraude et Red Bloods en saphir. Ouais, allez, alors il va falloir que je re-rentre les équipes. Donc allez-y, hein, vous pouvez discuter de tout ça. Petit message pour ceux qui sont déjà tirés ou ceux qui vont être tirés dans les quelques secondes qui suivent. Allez sur le Discord de FA dans Interview, vous allez lire l'équipe pour reprendre vos premières impressions. Voilà, vous pouvez y aller en zone mixte. C'est parti. Compte sur vous. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars, déjà? Qu'est-ce que vous avez à dire? Maltais, déjà. Maltais, Sam Crow dans la poule. Donc, il y aura, quoi qu'il arrive cette saison, déjà au moins deux rencontres Sam Crow. La peste. Donc, je pense que tous les amoureux du club pro s'en lèchent les babines. Mais moi, je suis content. C'est bien d'avoir une équipe comme ça aussi dans la poule en plus. Comme je te disais tout à l'heure, c'est des gars qu'on connaît bien, avec qui on s'entend bien. Donc, c'est une bonne chose de les avoir avec nous. Ça va faire des beaux matchs et en espérant que ce soit streamé, commenté, que ça fasse de belles soirées avec le pro. Allez-y, hein, je suis en train de remettre les équipes et dans le papier. Donc Red Bloods qui revient, ils étaient avec le SPTK, c'est bien parce qu'on revoit ces organisations avec différents managers. Donc l'histoire du Red Bloods, l'organisation, ils ont été champions de Ligue 2 avec la line-up SPTK, puis après ils ont dû se séparer pour des choix personnels de la part des uns et des autres. L'équipe a été reprise par Limitless, l'organisation à ce moment-là. Ils avaient fait une petite pause Red Bloods dans le club pro et là ils reviennent avec un nouveau projet avec Ené et Benny SK à la tête. Et ils sont dans la poule Saphir. Ils vont essayer de défendre au mieux le drapeau de Saphir pour amener au plus loin leur équipe en EFC. Et voilà, ils vont rejoindre donc les équipes comme NSN, Alliance notamment. Ça va promettre. Allez, je vais être bientôt prêt pour la prochaine équipe. Je suis en train de rentrer FC Nyx. Et chacun a ping-pong à 19h. Ah ouais, c'est des grosses compètes en ce moment. Tennis de table, s'il vous plaît. Hop, collé. Non, mais c'est un échauffement spécialisé de Thunder Rock pour la préparation, pour la manette. Tac. Allez, je vous montre. Je vous montre bien que toutes les équipes sont là. Thunder Rock, Projet de Conqueros, XCIV, FD Axelium, Scream, Ubiteam, Devils Football, SNM, Toulon, FRS Soccer, Nyx, FC Nyx et Imateurs. Allez, on est parti. Pour la prochaine équipe qui ira donc en émeraude. Alors là, on fait pas en serpent parce que tout simplement les équipes sont tirées, elles ont toutes le même nombre de points au départ. Zéro. Waouh. Et ben c'est Scream. Non, c'est Obsession Gaming, donc la line-up Scream qui est passée chez Obsession Gaming. Et qui vient de rejoindre la conf Emerald. Ça va être lourd cette conf Emerald avec Obsession Gaming, Sam Crow, Pest et les équipes là. La conf Emerald, ça va être lourd. Saken, est-ce que tu te vois en Emerald ou en Saphir? Du coup, Saken, dis-nous tes impressions là, vu que tu n'as pas encore été tiré. Si N'Golo, tu peux nous dire tes impressions
Vous aussi dans le chat, on est là pour les recueillir. Vous aussi là en vocal. Bon, ce qui est bien au moins, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas de trucage vis-à-vis de la peste, hein, puisqu'on récupère. Et ils rejoignent Bistou. On récupère deux des trois gros morceaux. Et ouais, non, mais là, ça rigole pas. Là, c'est... Ils rejoignent Bistou, les champions. La Orks, qui était donc 5e sur UEFA 19, limite la 6e ou 7e, quelque chose comme ça. Ouais. Donc là, ouais, là c'est la grosse poule. Mais de l'autre côté, il y a aussi Alliance, NSN, Red Bloods, là aussi. Et on va voir la prochaine équipe prochainement. Alors, je vais vous dire celle qui reste, parce que je suis en train de les rajouter. Donc, des équipes encore à tomber. Imateurs, FC Nix, FRS Soccer, Toulon, SNM, Devils Football. Donc ça, c'est pour aller dans la poule, on a dit Saphir. Hein. Devils Football, il reste Ubi Team. Devils Football, tu les as tirés ? Parce qu'on ne les voit pas à l'écran. De quoi ? Devils Football, non, je ne les ai pas tirés. Ubi Team, dont Scream, ils ont été pris. FDA Excellium. Hop. Normalement, il devrait en rester 15. Ouais, ouais. Non, on est parti de 14. Hein. Donc, on en a tiré 3, il devrait en rester 11. On en avait 18 au départ, là, il en reste effectivement 14 à la base. Hop. Copier. Et ça ira de plus en plus vite à chaque fois parce que j'aurai de moins en moins d'équipes à rentrer. Pour que ouais. Dites-nous, la Orks, le manager Tidus, qui dit je vois bien avoir Sam Crow et Thunder Rock dans le tirage. Il a déjà eu Sam Crow et là peut-être Thunder Rock par la suite, on verra. Allez, hop, on va repartir. Pour l'équipe en conférence, Saphir, go. C'est parti. J'adore le petit bonhomme qui tourne. C'est en direct. Et là, je vois bien du Thunder Rock. Et ben voilà, Devils Football. Devils Football. Devils Football qui rejoint donc la team Saphir. Il faudra essayer, ben, les gars qui seront qualifiés, les 6 sur les 16 en Saphir et les 6 sur les 16 en Emerald, d'essayer de représenter au mieux leur petite communauté UEFA, leur petite team Saphir et Emerald. Tu peux descendre ta con, Vio, si tu veux, comme ça tu auras moins d'équipe. Ah oui. Tu prends moins la tête. Ok, tag, projet Conquiros, hop. Alors, mais allez-y, hein, les amis, vous êtes là pour nous dire un petit peu ce que... Alors, la Devils, honnêtement, je ne connais pas du tout. Je n'ai aucune idée du niveau que peut avoir cette équipe. C'est Joe Papp qui vient d'arriver, donc sur UEFA, avec un projet bien réfléchi. Et on a bien discuté, il a l'air d'être bien conscient des tenants et des aboutissants d'une année sur UEFA. Et pour le moment, il fait preuve de sérieux et on espère qu'il fera une bonne saison, comme les 32 équipes, bien sûr. C'est des joueurs qui viennent d'où ? Alors, c'est des joueurs qui viennent plus de FVPA et VPG. D'accord, ok. Et qui n'ont jamais joué donc sur UEFA, forcément, s'ils sont dans ce tirage au sort. Hop, FC Nix, collé. Donc, ça fait 3 ans, eux, qu'ils jouent dans le club pro. Et le dernier, Imateurs. Hop, c'est, on va vérifier. Asdeng. L'équipe d'Asdeng, ouais, le bon Asdeng. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il reste 10 équipes. On est parti donc pour une équipe en poule, en conférence. Emerald. Emerald, c'est ça. Hein. C'est Emerald. C'est là qu'on doit avoir arrivé Thunder Rock, normalement. Normalement, Emerald, ouais. Bien, Project Conquerors de Ben. Project Conquerors de Ben. Eh, hey, boum. Eh bien vu. J'espère que tu vas te tromper, Pisa, parce que ça va faire louche, sinon. Tac. Restart. Hop. Donc, Project Conquerors. Alors, Project Conquerors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Project Conquerors, les amis ? Alors là, c'est vraiment un projet bien, bien construit parce que c'est la réunion un petit peu de différents managers. You, Malte, Tatan, c'est la réunion de Ben, donc qui avait la structure multigaming Independent Squad, qu'il a bien tenu pendant 2 ans ou un peu plus. Il y a aussi donc Frankie Choco et Green Angel qui sont les fondateurs de Polos. Ah, de Polos, ouais. Polos Hermanos. Voilà. Et il y a aussi l'apport de Joe,
qui est donc a arrêté son expérience auprès du Red Start, qui a été repris par Frédéric du 06, s'appelait maintenant Principe. Et du coup, ben Joe, lui, il est parti donc maintenant chez Project Conquerors avec Polos. Et du coup, ben, il y a trois managers qui ont chacun leur expérience et je pense que ça peut promettre de belles choses. Poyos, c'est une équipe mythique, hein, on va dire maintenant, du club pro. Hein. C'est une équipe qui tient depuis un paquet de temps. Moi, clairement, je suis très content de revoir Green Angel sur les terrains, ben, donc sur l'EFC, parce que c'est un attaquant. Ben, ça va être, c'est un vieux de la vieille. J'adore les vieux de la vieille. Et, un mec qui a toujours été présent sur les terrains et qui est un très très bon buteur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et Francky Choco, bien évidemment, le premier GM avec qui j'ai eu une petite affaire de litige, mais c'était très marrant quand on commence à jouer sur les compétitions. Et donc voilà, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était avec Francky Choco et ça s'était très bien passé. On va lancer, il reste 9 équipes à tirer. Allez, go, on les a toutes vues. Pour être Immatters, les amis. Dans la poule Saphir. Je le vois bien. FDA Excellium. Excellium et les frères d'Armes Sport dirigés par Zulu, le président, qui sont dans une optique de bien performer sur eSport FA. Ils se sont bien préparés depuis 2 ans sur FVPA et maintenant ils veulent passer une étape supérieure et ils ont décidé de s'inscrire dans l'aventure pour ce circuit. Et on leur souhaite bonne chance. Hop, je suis en train de rentrer les nouvelles équipes. Ils sont sous structure, pour dire sur cette équipe, ils sont sous structure depuis février 2018 avec les frères d'Armes Sport. Donc vous pouvez aller les suivre sur Twitter, FDA_Excellium, qui est dirigé par XNED. Et, voilà, on va donc les voir dans la team Saphir, hein, c'est ça? Ça sera dans la team Saphir. Dans la conférence Saphir. Alors combien normalement? Emeraude. C'est Emeraude. Ouais, attention. Ah, Tatane, tu suis. Il y a l'huissier Tatane qui suit. Ouais, c'est l'huissier Tatane, heureusement, qui est là. Moi, je suis en détente, la vérité. Ok. Et donc là, il aurait nous resté normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 équipes. Est-ce que tu confirmes, Tatane, qu'il reste bien 8 équipes à tirer? Alors, je confirme, bien sûr, selon mon diplôme de droit. Ok, alors là c'est pour aller en Saphir, hein, c'est ça? Allez, c'est parti. En effet, c'est la Ligue Saphir qui est concernée maintenant. Voilà. Moi je suis pour la team Saphir, les gars, qui gagne le FL automne. Donc j'espère que ce sera une équipe là, avec qui ça peut être. Ah, c'est pas un... FC Nyx! Une équipe qui a été déterminée, une équipe qui a été la première à s'inscrire, Jordan, le manager, qui a eu les recommandations de l'association des managers. Et on leur souhaite une bonne saison et une bonne aventure sur EFA. D'ailleurs, il est peut-être... Juste, messieurs, si je peux me permettre, c'était pour Emeraude qu'on tirait, hein, parce qu'on venait de tirer Saphir juste avant. La Tatane, lui, c'est, il est un peu... Je suis revenu en question par du côté de la... Je crois, mais bon, c'est pas la première fois que je remets Tatane en question sur un classement. Ouais, Tatane, c'est ni la première, ni la dernière. C'est pas la dernière, en effet. Ne vous inquiétez pas, hein, de toute façon, tout sera on aura le live. Review au cas où. La VAR. Non, c'est Emeraude, les amis, c'est Emeraude. Puisqu'il restait que 8 équipes, donc la première équipe à tirer, c'est Emeraude, forcément. Si on a commencé par Emeraude, c'est logique. Oui, absolument. Là, ce sera Emeraude maintenant? Non, là, c'est pas... Non, là, maintenant, c'est... ça serait Saphir. Pour ma défense, j'ai juré sur un diplôme Emeraude, de droit que je n'ai pas, donc... Saphir, il y a qui dans Saphir? Il y a NSN, Alliance, et il y a eu qui a été tiré? Il y a Red Bloods aussi. Red Bloods qui a été tiré. Et il y en a une autre, hein, dites-nous dans le chat. Allez, on est reparti pour donc en Saphir. Excellium, c'était Saphir. Père Emeraude. Je ne sais pas ce qu'on raconte dans le chat, mais vous inquiétez pas. Oui, mais c'est ça, c'est ce que je disais. C'est-à-dire, quand il reste un nombre d'équipes paires, c'est Emeraude. Et quand il reste un nombre d'équipes impaires, c'est Saphir. Voilà. Hey, Immatters. Azdeng, il va être content. Alors, Azdeng, c'est quelle poule? Azdeng, il part en Saphir. Il part en Saphir. Oui, absolument. Et c'est ce qu'il voulait, partir en Saphir. Donc, Eh ben, parfait. Tout le monde est content. Mardi, jeudi.
Le mardi, jeudi. FRS Soccer. Donc il reste FRS Soccer, il reste Toulon eSport. Il reste Monaco, la sélection nationale monégasque. Ouais. Voilà. Il reste Ubiteam. Ubiteam par Crespo, le manager. Ouais, Crespo. Avec sa line-up Ground Control. Bonne équipe aussi. Tac, et il en reste une dernière, c'est Thunder Hawk. Donc, alors, il reste Ubiteam, il reste XCIV. eSport et Thunder Hawk. Tac. Donc là, c'est pour jouer en pool émeraude, puisqu'il reste 6 équipes. Voilà. Et on est parti. Aïe, 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 Sakan, c'est pour toi, Sakan. C'est celle-là, elle est là. Non, Sakan, il va tirer en dernier. Tu resteras 2 équipes. Voilà, c'est ça. Elle est là. Ubiteam, peut-être. Ubiteam, là. Plutôt Ubiteam pour celle-là, alors, du coup. SNM, la sélection nationale monégasque. Dirigée par Flo. Par Flo, par. Je crois qu'il y a Randy qui est GM aussi. Randy aussi, ouais, Flo et Randy. Et à la tête du projet. Attention, hein, une équipe qui peut clairement se placer parmi les outsiders de cette compétition. Ils sont venus pour affronter du lourd. Ils auront du lourd dès les conférences hein, pour nos amis SNM. Moi, je l'ai eu en privé, moi, il veut faire top 3. Hein, top 3 de. Top 3 FC final. Ouais. Ah, c'est des beaux objectifs. Faire... Minimum, il a dit. Minimum. Ah, minimum. Écoute. Ah, bah. Il y a Jesse qui veut finir premier aussi. Mais tout le monde va. De toute façon, il n'y a que des numéros que des numéros 10 dans notre team, hein, j'ai l'impression. C'est que des vainqueurs. Alors, il nous reste plus que 2, 4, 6 équipes. C'est bien ça. C'est qui ? Ah oui, c'est SNM que j'ai remis, bien évidemment. Donc il reste 5 équipes. FRS Soccer, Toulon, Ubiteam, XCIV eSport et Thunder Hawk. Allez, on est parti. Pour être donc dans la poule Saphir. Avec Alliance, avec NSN, avec Nantes. Et détrompez-vous, vous verrez bien la fin. Et Toulon, ouais, bah, ça va faire plaisir à Jesse, ça, il va pouvoir aller jouer à la maison. Toulon eSport. Ouais, Toulon, en Saphir. Alors Toulon, qu'est-ce que tu peux nous dire, Misa, sur les Toulonnais? Alors Toulon, c'est un projet qui s'est créé il y a un an de manière non officielle, on va dire. C'était un test de la part du club du SC Toulon, de voir un petit peu comment ça allait se passer. Un test qu'a réussi Narco. Et du coup, ben, là, il s'engage maintenant officiellement avec le SC Toulon à travers l'aventure EFA. Et donc, c'est un projet qui a été préparé quand même depuis un an, hein, comme XCIV. Et on voit quand même qu'il y a pas mal d'équipes qui ont fait quand même un an, deux ans, trois ans de préparation avant de tenter le cap EFA. Et ça fait donc qu'on va avoir un circuit avec quand même de bonnes équipes expérimentées sur ces 32 franchises. Ok, allez, on est reparti. Il reste 4 équipes, donc une chance sur 4 de sortir si jamais vous en faites partie. Et ce sera pour être dans la poule, dans la conférence émeraude avec, avec notamment, bah, on va dire, la conférence de la peste. Et c'est Ubiteam. Les stages estivaux, les derniers, là, les dernières semaines, j'ai vu des scores. Ça a gagné 2-3 ONC, il me semble, de suite. Bon, vous allez me dire c'est deux ONC, mais c'est quand même encourageant pour montrer un peu l'intérêt. Crespo qui a fait un très bon travail aussi de management pour trouver une organisation à représenter. Ça a été rapide et efficace. Bravo à toi et ça promet du bon pour ton équipe sur le terrain et en dehors du terrain. Allez, il reste 3 équipes, Thunder Hawk, XCIV eSport et FRS Soccer, donc pour être dans la poule Saphir. On est parti. Et c'est quelle poule là, Maltais? Saphir. Il reste 3 équipes, donc c'est Saphir. Saphir. C'est la poule d'Alliance. Et ce sera. Et de Nantes, de NSN aussi. FRS Soccer. À l'instar de Niniopat avec Alliance eSport, qui sont très bien organisés avec des cartes d'adhésion et sur plusieurs jeux, Smash Bros, il me semble. Et je vous invite à les suivre. C'est une jeune structure, mais qui est ambitieuse et qui est sur plusieurs jeux.
Et voilà, c'est dirigé par, par deux gars, Claudio, qui est très sympa. Et voilà, il reste donc en deux équipes, il me semble qu'on avait promis, enfin, vous avez pronostiqué Saken pour la fin. Et est-ce que Saken restera pour la fin? Eh ben, on va voir. X et... Saken, il va être tiré là. Il va être tiré là maintenant. X et IV eSport. Et c'est X et IV eSport qui ira en poule en conférence Emerald. Esport qui prépare ça depuis aussi un an au calme, il a eu beaucoup de candidatures et il est prêt pour se lancer avec un manager. Il a pris Nedzia qui était donc en tant que coach de Arosus Esport et là il franchit le cap. Joueur rejoignant le club aussi, je crois. Voilà. Nedzia qui a franchi le cap là en étant un manager d'un club e-foot et en arrêtant de porter le nom Arosus pour XCIV. Un projet très ambitieux de la part de Medji. Ok, donc vous allez pouvoir retrouver sur les différents réseaux sociaux et puis sur le Discord, bien évidemment, le récapitulatif de ces tirages au sort. Il est 19h10, on a débordé un tout petit peu, hein, mais c'est pas la folie. Misa, il y avait d'autres trucs. Il y avait un tirage au sort Twitter aussi. Il est où Benny? Benny vient d'arriver, les amis, parce qu'on va lancer un live à 20h pour tous les fans de poker sur PokerStars. Donc Benny vient d'arriver, il est chaud, il est bouillant, j'ai l'impression qu'il sort de la douche. Il est beau. Et d'ailleurs, il sera avec nous pour quelques petits matchs cette saison, hein, parce qu'il se délecte de cette pré-saison. Il m'a dit, je mets une grosse pièce. Attends, il m'a dit quand même hier, je mets une énorme pièce sur Monaco. Voilà, il est chaud Monaco, il a le maillot en plus, donc il va être petit fan de Monaco, j'ai l'impression. Aïe, 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 Renji, Flo, la pression d'entrée. Alors, oui, dis-moi, Misa. Rapide. Oui. Est-ce que tu peux nous mettre rapidement le nouveau circuit, du coup, avec les 32 équipes? Allez, peux le faire. Je peux complètement le faire. Un tirage au sort à faire aussi. Hein. Le tirage au sort, on le fera sur le Discord, les amis. Hein, il sera sur le Discord. L'émission continuera sur le Discord, ne vous inquiétez pas. Le circuit, donc, avec 32 équipes maintenant. Viens voir, rapproche-toi, Benny, tu peux voir. Il est magnifique, ce circuit, toi qui aimes tout ce qui est présentation PowerPoint. Donc, faite par Yanis, bravo à lui. Donc, le EFL League, qui pourra aller choper le petit Graal, là, en haut, EFL doré. Ce seront les 6 premiers de chaque conférence qui seront qualifiés en play-off. Les 2 premiers directement qualifiés pour, en gros, les quarts de finale. Les autres pour les 8e de finale. Et en dessous de la place 7 à la place 16 de chaque conférence, vous allez jouer pour les play-down. Donc il y aura aussi des EFAP à gagner, des trucs assez sympas. Il vaut mieux terminer en gros 13e que 32e. Voilà, Benny. Beaucoup plus d'EFAP, bien évidemment, si vous êtes en play-off que si vous êtes en play-down. L'autre petite photo que nous avait concoctée notre Misa, c'est le club e-foot. Donc ça, vous commencez à être un tout petit peu plus habitué. Qu'est-ce que votre club e-foot? Eh ben, jetez un petit coup d'œil, les joueurs et les managers dessus. En gros, on parle d'une organisation avec le petit building là ici à gauche. EFA qui crée grâce à l'organisation et à EFA le club e-foot. Vous pouvez profiter de tous les réseaux sociaux de l'association. Vous allez présenter 14 joueurs minimum qui vont jouer l'EFL League, qui vont gagner des EFAP et qui vont peut-être pouvoir les échanger dans un petit shop. Voilà, en gros, il y a pas mal de choses à voir avec cette petite présentation. Vous pouvez aussi la présenter à votre structure, ça leur fera plaisir. Et voilà, je pense qu'on est bon, mon Misa, non? T'as les images des tirages. Oh là là, les images des tirages, vous êtes incroyables. Le staff qui bosse. On y va rapidement, les gars. Ouais, hop. Tout ça, bien sûr, vous allez le retrouver, les gars, juste après sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre de partout, à follow notre chaîne. Et on remercie de votre présence. Là, vous avez été beaucoup aujourd'hui. On espère vous revoir autant durant toute la saison. On va faire un petit tirage. Alors, je vais voir si ça a fonctionné. Est-ce qu'on a toutes les équipes qui sont arrivées? Alors, il va falloir que je la réduise. Mais normalement, on les a. Vous êtes la team Saphir, du coup, les gars. Ce que vous voyez ici. Comment ça, Saphir, ouais. Donc, vous jouez le mardi, jeudi,
de 22. Allez, vas-y, je te laisse Misa les ou Tatane, celui qui veut les rappeler. Alors, on a Alliance, NSN, MGFC eSport, Never Back Down qui va bientôt signer sous une organisation, LDAS, Wartox, Dox, FC Nantes eSport, Vatos, Zephyr, et enfin les nouvelles équipes, donc Red Bloods, FC, Devils, eFootball, FDA, Excellium, eMatters, SC Toulon eSport, FRS Soccer et Thunderhawk. Magnifique. Et pour la deuxième conférence, la conférence Emerald, qui elle jouera du... Qu'est-ce qu'elle me fait, la conférence Emerald ? Elle est là. Elle est là. Emerald. On verra, hein, on verra à la fin des EFL qui était la plus forte conférence, qui, combien d'équipes au maximum de chaque conférence pourront aller le plus loin au niveau des playoffs. Alors, conférence Emerald, elle est là, normalement. Alors, elle n'est pas là, elle est où ? Elle est en grand écran. Ouais, c'est bon. Got it. Elle est là. En suspense, tout doucement, elle va glisser. Ouais, elle arrive. Si, en fait, c'est une animation After Effects. Hein, vous avez pas encore tout capté. Exactement. Tac. Il est modeste, il voulait pas en parler. Elle est là. Alors, allez-y, faites-vous plaisir. Aïe. En 4 tiers. On a la peste, Mafia Mila, qui va bientôt nous annoncer là, la semaine prochaine. Suivez-les, les gars, sur leur compte, Mafia Mila, qui vont faire l'annonce de leur nouveau sponsor, leur nouvelle organisation. Et donc, on vous invite à les suivre. La Orcs Grand Poitiers, l'incontestable, l'interminable, il est toujours là. Ça fait 10 ans pour sa 10e année. Tidus, les amis, il sera là, déterminé, toujours là pour sa 10e année. Bravo à toi pour ton parcours, c'est énorme. Et il y a Sino qui arrive dans le game. Sino, ah, c'est bon, gars, ça. Ouais. Là, avec Limitless les anciens, il reprend le flambeau en compagnie de Papounou, une réserve de belles choses. On a OZ de Most Wanted avec Yako qui revient de vacances bientôt, la fin septembre. Il y a Petros qui prépare tout ça au calme. Il promet de belles choses, on va voir. Il a fait deux belles saisons là sur UEFA. Il y a Bestou qui a fait forte impression, qui a confirmé en fait totalement avec le titre de champion de Ligue 2. Il y a Invictus B-Sport avec Wiz qui a quitté LDS 2 pour rejoindre ce projet. Il y a Principe avec Red Start SC donc, qui rejoint l'aventure. Il y a Neox Pandor avec Neo Styx. Il y a Sam Crow avec Anna Kills, Yas. Et LK et bien d'autres, ils sont tous là pour tenter leur coup aussi dans cette aventure. OBS Gaming, ils l'ont annoncé récemment, c'est le projet de N'Golo et Snake. Les gars, ils sont tous là, on ne sait pas qui c'est qui va finir sur le FC. Quand je vois ces noms, c'est complètement ouf. On voit là qu'il y a Project Conquerors aussi, là, le projet costaud avec les trois managers, Ben et son expérience, Joe avec le Red Star et Green Angel et Frankie Choco qui sont là depuis 4-5 ans. C'est complètement fou. FC Nyx, vous ne les connaissez pas, vous allez apprendre à les connaître. Ça fait 3 ans qu'ils se préparent de leur côté. Ils sont bien là, ils sont déterminés. Ils ont été pris en premier de parmi les 32 équipes. Il y a SNM, eFoot, Renji et Flo l'attendaient depuis longtemps. Un projet, ça ne s'est pas fait il y a 2 ans avec le fail de VFO. Et cette fois-ci, ils sont prêts à tout cœur de montrer à la communauté qu'ils sont déterminés et qui peuvent tenir un projet sur un an. Et je leur souhaite de tout cœur d'y arriver et de performer sur le eSport Football Challenge. On arrive à Ubi Team, on l'a dit tout à l'heure avec leur manager Crespo qui a fait forte impression dans les inscriptions de pré-saison. Et on arrive après avec XCIV Medi aussi, ça fait un an, il se prépare, il est déterminé, il est là, il est inscrit. Ils sont 32 les gars, ça va commencer dans 29 jours. Et on va dire dans 9 mois, eh ben, il y aura un classement et chacun l'aura mérité. Et merci à tous pour votre confiance. Ouais, merci Misa pour cette super présentation, les amis. Il est 19h20, tout le monde a pas mal de choses à faire, donc on va rendre l'antenne sur ce live. On va rendre l'antenne. On remercie toutes les personnes qui ont réussi à travailler sur cette émission, qui m'ont bien aidé, qui avaient uniquement à faire que je pose mon cul sur cette chaise et appuyer sur du bouton. Donc merci à vous tous, Tatane, Misa, Yanis, les graphistes. Merci à tout le staff EFA. Merci
merci au micro-trottoir, salon de chat pour les infos, Mercato, c'est vraiment terrible. Merci à vous, tous les GM, de jouer le jeu. On est une grande famille et on espère que cette saison sera la plus belle de l'histoire du club pro. On l'espère, en tout cas, on donne toute notre énergie pour ça. Un grand merci à Maltais pour l'heure qu'il nous a, l'heure et demie qu'il nous a accordé, et on souhaite un bonne chance à la peste pour conserver ce titre, parce que j'ai l'impression qu'il y a la peste et une meute de 31 loups qui essayent de le prendre en chasse. Voilà. Les amis, merci à toi, Ayou. À bientôt, à la semaine prochaine. Non, semaine prochaine, pas d'émission, mais suivez. Si, il y a une émission. Il y a Tatan qui sera là pour le 15 septembre. Ouais, on va tenter de faire du bon, il ne devait pas y avoir d'émission, mais il y aura une émission, parce que Misa a dit qu'il y aurait une émission. Voilà, il y aura émission le 15, l'émir l'a décidé, et si c'est pas Tatan, il y aura quelqu'un d'autre. Bonne préparation à tous, bon FIFA 20 pour ceux qui réussiront à le choper en avance, parce que je sais qu'il y a toujours des petits malins. Et je vous dis à très bientôt, et puis peut-être dans une heure, hein, sur Poker Stars, pour ceux qui aiment le poker. Salut. Merci à toi, Liu. Merci, ouais, les gars. Tous. Ciao, ciao. On va mettre ta musique. Ça va, super, on va.